Le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du CIM. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du CIM. Ici l'incroyable Anson GF, animateur du CIM. Nous sommes CIM! Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de Monsieur Fun est prêt à vous servir pour une 38e année. MonsieurFun.com, le site web 450-979-6386, 1-800-66-LE-FUN. Le monde de Monsieur Fun, animation, musique, thématique et même le boombox, le monde de Monsieur Fun. Ben oui, c'est encore Michel Letourneur pour le podcast 62 avec nul autre que M. Marc Blondin. Comment allez-vous? Mr. Fun International, top of the world, the original vintage depuis 1958, self-proclaimed legend. Ooh. Un instant, la légende vivante, là. Non, non! Ça, c'est Kelly. Ah oh oui, ça, c'est notre affaire. La mouche, ouais. il se croit pour une légende. Non. J'ai offert le T-shirt qui est disponible sur sim.shop. Entre la mouche, Kelly, ou la légende vivante, il y a même mieux la légende vivante. J'aurais aimé mieux la mouche, moi. Le Simmania 1, ça s'en vient. Hey. Dimanche, le 18 septembre prochain. Quelle date? Le 18 septembre. Septembre, microbrasserie L'Entêté à Mirabel. 32 lutteurs et gérants qui vont participer à cet événement-là. Vous pouvez réserver vos billets. Il y a déjà des gens qui ont réservé leur place parce que tu vas sur le site là, que j'annonce, là, que je ne sais jamais par cœur. Là. Je vais te le trouver tantôt. Ça, j'ai hâte de voir ça. Vraiment, puis, ça va être un événement haut en couleur. Ça va être quelque chose. Et encore une fois, Marc, je te remercie de m'inviter encore à participer justement à Simmania 1. Oui. Parce que ce que les gens au Québec ne sont pas habitués, c'est que je vais décrire l'action dans la salle. Donc, les gens vont entendre les niaiseries puis la description. Les lutteurs vont entendre. Vas en faire partie. Anselm va en faire partie. Ben voyons donc. Kelly peut-être va en faire partie. CPCO et Libre va en faire partie. Ça serait bien ça. Alors, il va y avoir plein de monde. Ça va être vraiment intéressant. Incroyable. Ça va être le fun. Aujourd'hui... écoute, c'est pas quelqu'un que j'ai connu. Tu me disais, t'es un peu plus jeune que moi, mais on vient de la même génération. On l'a vu à la télé. Eddie Creechman, qui était entre autres le gérant de Abdullah. Et Eddie Creechman avec ses lunettes de soleil, ses jewels partout. Ben, c'est un gars qui était très coloré. C'est un personnage coloré de l'époque. Je crois que les années 70, on va parler 70, là, à peu près. Ouais. Ben, il 70, c'était son gros temps. Mais il a continué. D'ailleurs, tantôt, on va avoir une entrevue avec Denis Desauniers qui l'a eu comme partenaire au début des années 90. Là, t'sais. Mais moi, Marc, j'ai vu Eddie Creechman, j'étais très jeune. Je l'ai vu parce que mon grand-père, à l'époque, c'était un maniaque de lutte. Tellement que c'était sacré pour lui, puis je faisais des niaiseries devant lui pour l'écœurer parce que je trouvais ça tellement nul. Mais au fil du temps, j'ai été avec lui et c'était à l'aréna, écoute ça, là. À l'aréna de Saint-Lambert, à l'époque, j'habitais là, où j'ai vu pour la première fois Eddie Creechman, André, OK? André le géant, je l'ai vu là, et le grand Antonio aussi qui était là. Okay. Mais c'est là que j'ai vu Creechman avec son espèce de bâton qu'il avait, là. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est qui ce girlo-là? Et regarde, il a fait les beaux jours de la lutte sans ne pas le sauver, et ainsi de suite. C'était un grand nom de la lutte au niveau de la gérance.
Ben oui. Et notre deuxième invité dans cet épisode est Bertrand Hébert. Et Bertrand nous amène tout le côté historique et détail de la carrière de Eddie Creechman qui demeurait à Montréal. Il y avait une scrap. Il y a eu des anecdotes. Il changeait ses lumières après sa Mercedes pour qu'elle ait de l'air plus récente. C'était quelque chose. Le cigare. T'sais, j'en ai parlé la semaine passée dans notre fermeture. Toutes les fois que je mets une photo de moi avec mon cigare, il y a quelqu'un qui m'écrit, tu fais ton Eddie Creechman. Le cigare a été une empreinte. Surtout dans ce temps-là, tu mets le cigare, tu étais riche, tu étais puissant, tu étais au top, comme tu dis. Et tu nous as parlé le fameux bâton électrique. Exactement. Puis ce que tu me dis là, c'est bizarre parce que je vois aucune ressemblance entre toi et Creechman. Creechman paraissait un peu mieux. En tout cas, ça dépend des goûts, là. Mais c'est son bagou, sa manière de parler. On dirait qu'il mâchait ses mots en même temps avec cette espèce de voix hyper rauque, comme s'il était en train de perdre ses cordes vocales. C'était ça la marque de commerce à Creechman, à part son physique. Et c'est ce que je me souviens, au même titre que l'autre, qui a été aussi un autre grand, Frenchie. Mais Eddie Creechman, je crois qu'elle a laissé une plus grande marque à cause de son accoutrement, ses habillements et sa manière de parler. Moi-même, je vais le dire, j'étais jeune, mais il me faisait peur. Moi, je te dis, accoutrement, manière de s'habiller, ça me dit rien. Moi, c'est le cigare, les jewels, puis le bâton électrique. Si tu veux bien, on va faire une première pause. Au retour, on va s'entretenir avec Denis Desauniers, qu'on a eu sur sa carrière, qui est un des pionniers. Si vous n'avez pas écouté l'épisode des pionniers de la lutte québécoise, il y avait Louis Laurence, dit le fermier, et Denis Desauniers. Allez dans les archives, écoutez ça. Mais lui... Il a été régent, merci de me le dire, Denis, celui qui faisait Youpi. Denis, c'est vrai. Celui qui faisait Youpi, c'est un gars de Valleyfield, fait que je me mélange. Valleyfield. Donc, régent Desauniers, merci Pierre dans mes oreilles de m'avoir corrigé. Et Régent a été partenaire. Allez, va nous conter ce petit bout-là qui a été partenaire avec nul autre que Eddie Creechman. Alors, voici notre première entrevue après la pause, mesdames, messieurs. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du Sim. Voyez les nouveaux T-shirts de nos deux animateurs, soit l'incroyable Handsome GF et celui de la légende vivante, Jean-François Kelly. Verre à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de 6 cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au sim.shop. J'aimerais ça que tu m'en parles de Eddie Creechman parce que c'est un gérant qui a marqué l'imaginaire. Moi, j'étais tout jeune, puis le bâton électrique, ça me fascinait. C'était quoi? Premièrement, Eddie Creechman, pour Régent Desauniers, ça a été un partenaire, ça a été un chum. C'était quoi la relation? Ça faisait longtemps que je le connaissais. Puis de même, j'ai su qu'il était en agent Sorel. Puis j'étais à Sorel à ce moment-là, puis il y avait sa cour à scalap, là. Puis une année, j'avais trouvé un de ces gars-là qui avait fait à Sorel. Puis on a joué ensemble. Puis il dit, qu'est-ce que tu dirais si on se formerait une équipe, puis on partirait une fédération, tout ça, puis on marcherait, tu sais, puis il y a quelque chose sur l'un, tout ça. Ben, j'ai dit, moi, je serais bien d'accord avec ça, tu sais. Puis il a dit, mais il était spécial, tu sais. Lui, dans là, quel sens? Ben, les imprévus, là. Tu sais, une année, il y a un gars qui me dit, à la Renault 100, ça, il dit, dis à aider, là, il fallait qu'il de me donner un coup de canne dans le ventre, puis tu m'as me tiré à terre. J'ai aidé, j'ai dit, le gars là-bas, là, il m'a dit ça. Moi, bon, il dit, aider, c'est correct, mais il m'a arrangé ça. Il lui a donné un coup de canne, monsieur. Le gars, il avait pas besoin de tirer à terre, il a tombé à terre. Ah, oh, ouais.
Ouais. Mais dans vraie vie, bien. Avec toi, il était-tu aussi flamboyant que mes souvenirs de jeune? Oh non, ben, t'as bien ordinaire, tu sais. Ah oui? Avec son roche-l'œil aussi, là. T'as bien ordinaire, hein, pas de... On parlait tout le temps de lutte, que c'était pas compliqué, là. Là, on me disait, on s'en va au Festival Wasson de Saint-Tite prendre un contrat de lutte là-bas, tout ça, puis après ça, bon, on voyageait, on allait faire ces places-là avant de partir dans la tournée, là. Puis quand vous avez parti de la fédération, est-ce que ça s'appelait la FCL? Oui, la Fédération canadienne de lutte. OK. En 1990. Puis le Magnifique était avec vous autres? Oui, Magnifique, mais il venait s'entraîner chez nous. Ça que, ben, il venait pas tout le temps, là, mais il avait venu s'entraîner. Là. Il y a des photos sur Internet, il est posé là, sur mon site, là. Puis, Eddie Creechman, dans ce temps-là, quand il était promoteur avec toi, est-ce qu'il avait un rôle encore de gérant ou est-ce qu'il chiolait après le monde ou s'il était juste en arrière-scène? Ben, c'est sûr qu'il chiolait après le monde. Mais OK, vous lui avez donné un rôle, même s'il était promoteur. Il était gérant de lutteurs, là, tu sais. Là. OK. Il a tout le temps géré les lutteurs, là, Abdullah de Butcher, puis les affaires de même. C'est que chez nous, il était gérant de deux lutteurs, là, Vincent Noyer puis un autre. Puis il nous disait, là, ben, watchez-moi, là. Parce que lui, il faisait des coups, mais il faut le watcher pour que le monde fasse dessus. Mais non, c'est ça. Le monde l'a tué. Le monde l'a hissé dessus, hein? Ah oui, oui. Toi, tu devais trouver ça drôle, pareil, de voir l'envers du décor. Dans ce temps-là, le kayfabe était très fort. Oui, puis aider lui, quand il revenait dans la chambre, hein, tu veux, là, je les ai montés, là, ils sont prêts, là. Il mettait le feu, mais il ne l'éteignait pas. C'est ça, c'était au lutteur de faire la job. C'est ça, il disait, watchez-moi, là, pas que personne saute sur moi, puis tout, là. Pis, wow. On avait été en Gaspésie une fois, c'était la même affaire, c'est le monde, il voulait monter dans les chambres en haut, puis en tout cas. J'imagine comment qu'il pouvait... Parce que dans ce temps-là, en plus, le monde, il comprenait pas que c'était un personnage. Fait que, écoute, ouais, ça devait être non, vraiment spécial à vivre. Ben, il faisait des entrevues à télévision. Là, puis j'ai vu une entrevue dernièrement de lui. Là, puis il disait à l'animateur, là, parce qu'il était chaud, « Coudon, t'enlèves-tu ton casse de bain quand tu t'annonces? » Ah oui. Il était baveux. Il était baveux. Mais c'était un peu... C'est baveux, mais pour lui, c'est spécial. Là. C'est pas un gars de même. Ouais. C'est pas un gars de même. Ça, que... Écoute, les gens s'en souviennent encore aujourd'hui. Ben oui, il a fait sa trace. Il faut qu'il aille marquer le monde, là, tu sais. Ah oui, parce qu'à la télévision, à Sorel, on était pas pour la télévision locale, tout ça, puis il menait, là, puis il disait, là, je veux quelque chose, mais watchez-moi, personne n'en arrive. Les femmes, ils watchaient. Des fois, ils ont des aiguilles à chapeau, là, puis... Ah. Pique en passant, tu sais. Eh hey boy! Des épingles à chapeau. Incroyable! Ah ouais, ben, j'ai connu ça, moi. C'est sûr, là, quand tu voyais qu'un gars brosse à trop, là, il se faisait passer à côté près du monde, là, des fois qu'il se faisait pincer. Là, c'est que, là. Incroyable! Ah, il y avait toujours un risque quand même, mais c'est un risque, c'était pas dangereux, c'est comme ouais. Tel. Là. C'était Régent Desaulniers wow. Qui nous a. Parler un peu de ce qu'il avait vécu avec Eddie Creechman, ce gérant légendaire ben oui. À la lutte au Québec. Et là, Michel, on va aller plus du côté historique. Il a commencé où? On va aller vraiment plus profondément ouais. Avec Bertrand Hébert qui est... Ça se peut pas comment qu'il connaît la lutte. Ce gars-là. Pardon? T'as un dictionnaire, ce gars-là. Oui, oui. Une encyclopédie. C'est mon co-auteur de ma biographie qui sort très bientôt. Ça s'en vient. Alors, après la pause, on écoute mon ami Bert qui va nous parler à son tour. Qui était ce légendaire Eddie Creechman? Simmania 1. L'événement de lutte sera présenté dimanche, le 18 septembre à 19h30 à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Mon retour à titre de promoteur avec plusieurs amis du podcast Sim en action. Je serai au commentaire live avec plusieurs analystes colorés. Billets disponibles sous peu. Admission générale, VIP près du ring et table VIP de 8 personnes. La quantité est limitée. La vente débute sous peu sur le site lepointdevente.com. Simmania 1.
Détails des lutteurs et combats à venir sous peu. Simmania 1, le dimanche 18 septembre. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, un invité qu'on reçoit assez souvent et on est toujours très heureux de l'avoir avec nous, Bertrand Hébert, auteur, père de lutteur, fan de lutte, etc. Il y a plusieurs chapeaux. Bertrand, on a parlé, on a fait quelques épisodes sur les gérants, sur le CIM, et le nom de Eddie Creechman revenait régulièrement. C'est sûr que moi, je pense que je ne l'ai jamais rencontré, ou peut-être à la fin de sa carrière, mais c'est un nom. Moi, à chaque fois que je poste une photo sur Facebook ou je fume un cigare, il y a toujours quelqu'un qui va m'écrire « Tu fais ton Eddie Creechman ». Et moi, comme amateur de lutte, c'est le bâton électrique qui m'a toujours fasciné. Je regardais, c'est Eddie Creechman, je crois qu'il est, c'était un juif, hein? Oui, c'était un juif et il n'avait pas peur de se servir de ça dans son personnage pour en beurrer épais. Je suis pas sûr que Eddie Creechman passerait aujourd'hui parce que Eddie Creechman avait comme pas de limite. A déclenché plusieurs émeutes avec Abdullah the Butcher en province au fil des années et avait vraiment un personnage détestable. Dans notre livre, là, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, les gens qui ont connu Eddie Creechman à la télévision t'évoquent le nom d'Eddie Creechman, puis t'as comme un petit t'es chair de poulus là qui dit il pogne là tu que sais il y a un malaise, tu sais parce qu'il faut que tu fasses vraiment là dans ta tête comme il a jamais eu la chance ou parce que c'est bien avant son époque de vraiment s'ouvrir sur le personnage versus l'homme. On a connu le personnage et le personnage était, je sais pas si haut en couleur ça représente, c'est assez fort. Eddie Creechman était criard, était gesticuleur. T'avais l'impression qu'il était pour péter une crise cardiaque en nous racontant comment Dino Bravo était un pas bon, puis un pourri, puis un Italien, et avec son accent, puis là, il déparlait, puis il parlait en anglais au travers de deux mots de français, puis là, tu sais, il y avait tout ça avec Eddie Creechman aussi. C'était un anglophone qui parlait français. Ça faisait partie du personnage. Puis, bon, Eddie Creechman avait commencé sa carrière comme arbitre. Puis finalement, il a même lutté. Lutté. Mais il est devenu très bon ami avec Johnny Rougeau et rapidement devenu l'ennemi de Johnny Rougeau. Là. C'est comme ça, le bâton électrique, ça vient de cette époque-là. Puis bon, Et je dis bon ami parce que dans notre livre, on a une photo de Eddie Creechman qui est allé visiter Johnny à l'hôpital dans les derniers temps de M. Rougeau. Parce que effectivement, Johnny et Eddie Creechman sont le cas classique de gens qui, dans leur spectacle de tous les jours, étaient les pires ennemis du monde, mais qui, dans la vraie vie, étaient des collaborateurs et des amis. Et ça, c'est la partie qu'on n'aurait jamais pu vraiment découvrir d'Eddie Creechman, parce qu'on connaît le personnage haut en couleur. Eddie Creechman, là, c'est comme la fameuse scène dans le film Jaws, là, quand le gars il se passe les doigts sur le tableau, là, puis qu'on entend le crissement des ongles sur le tableau, là. C'est ouais. Ça, Eddie Creechman, dans le monde de la lutte. Il te fait là, te tordre, puis il te fait grincer des dents. Là. C'est vrai. Donc, il venait irriter tout le monde à tous les niveaux potentiels. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur sur Eddie Creechman. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a réussi à lancer des émeutes, parce que les gens le détestaient pour vrai. À ce quand, jour. Quand tu dis lancer des émeutes, là, écoute, émeute, c'est un gros mot, là. T'as-tu, c'est quoi que t'as comme exemple? Ben là, il y a eu toutes sortes de situations où on est obligé de sortir en cachette, qu'on est obligé d'appeler la police pour laisser Eddie Creechman sortir, des chaises lancées. Oui, il était si détesté que ça. Quand tu te ramassais en province avec Eddie Creechman et Abdullah, il y a eu des moments où ça brassait fort. Mais ça fait partie un peu de la légende du monde de la lutte. Hein?
quand les gens se laissaient emporter par les personnages puis l'histoire racontée, là, puis qu'ils prenaient ça pour cette... Moi, je reviens, là, c'est l'époque de la lutte comme défoulement collectif. Là. C'était une façon pour les gens d'exprimer leur colère envers leur patron, envers leur facture, envers leur vie misérable. Leur vie amoureuse qui va pas bien. C'était une façon de déverser une foule d'émotions. Et Eddie Creechman était le punching bag parfait de tout le monde. Tout le monde détestait Eddie Creechman. C'est pour ça que Eddie Creechman était un peu, là, pour ceux qui ont connu l'époque de Bobby Heenan à la WWF, qui était comme celui qui faisait rentrer les adversaires de Hulk Hogan, souvent un par derrière l'autre. C'était un peu ça qui était le rôle de Eddie Creechman, c'est-à-dire que le nouveau méchant arrivait en ville, souvent pour lui donner de la crédibilité, puis le lancer rapidement dans une rivalité avec le champion, que ce soit Johnny Rougeau ou Dino Bravo dans les années 80. T'avais une seule chose à faire. C'était associé avec Eddie Creechman, t'étais en partant, là, t'étais un mot, t'as dit pas bon. Un cochon, comme il disait dans ce temps-là. Là. C'est drôle parce que les deux que tu as nommés, les deux portaient le sobriquet de The Brain. Oui, effectivement. En fait, Bobby Heenan a piqué le The Brain à Eddie Creechman parce qu'Eddie Creechman est aux États-Unis un petit peu là, pour Dick the Bruiser où Bobby Heenan a eu ses premiers pas dans le monde de la lutte. La microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une deuxième cuvée de la Bitter Bécieux, ma bière surette aux cerises. Pour cette deuxième saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéales pour les collectionneurs et amateurs de bière. André le Géant, Ted DiBiase, Bam Bam Bigelow, Jake the Snake Roberts, Ric Flair, Hacksaw Jim Duggan, King Kong Bundy, Le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hulkster. Pour commander vos Bédards Messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y Bédards Messieurs ou contactez la microbrasserie Noire et Blanche, NEB pour Noire et Blanche, micro@commercial.gmail.com. Cheers! C'est ça que je voulais te demander, si Creechman, sa carrière avait été uniquement au Québec, dans le marché de Montréal? Ou... Non, mais il a travaillé un peu à Détroit, puis pour Dick the Bruiser, Indianapolis, parce qu'il travaillait pour le Chic, puis il travaillait pour Abdullah. Puis le Chic était le promoteur à Détroit, donc il a été longtemps une des têtes d'affiche dans le coin du Chic ou de Abdullah. Il est d'ailleurs dans le film « I Like to Hurt People », qui est une espèce de faux documentaire sur le territoire de Détroit et le Chic. Et Eddie fait partie de tout ça là, parce que c'est l'époque où il y a eu une espèce de rivalité entre le Grand Wizard et Eddie Creechman pour être le gérant du Chic. Donc il y a toute une histoire dans le film à propos de ça. C'est probablement sur ça que la majorité des gens le connaissent aux États-Unis là, c'est sa participation à ce film-là. Sinon il est très peu connu. Puis quand les années 80 arrivent, ben malheureusement, heureusement, il y a un personnage tellement controversé puis tellement difficile, tu sais, c'est trop loin de ce que la WWE présente comme produit. Là. On s'entend, on a un produit un petit peu plus familial. Et ouais. Eddie Creechman n'est clairement pas quelqu'un qui est familial. Est-ce qu'il aurait pu exister dans le Attitude Era? Ah, voilà une bonne question. Potentiellement que son personnage a un petit peu plus de mordant rendu là. Eddie avait un style très, très criard, hein, j'en ai parlé. Hein. Ouais. On pense à Eddie Creechman en entrevue, on pense pas à quelqu'un qui est posé avec la cravate dans son temps puis qui nous explique la... Non, c'est 100 000 dans le tapis. Et ça, vous remarquerez qu'à la WWE, rarement, on avait ça comme style d'entrevue. Puis bon, à tort ou à raison, pour en avoir discuté avec Pat, il trouvait, parce que Pat a eu Eddie Creechman comme gérant au Québec. Là. Pat, tu parles de Pat Laprade? Non, monsieur! Non. Pat Patterson, voit. Quelle image! Mais non, c'est alors, ça. Alors, Eddie Creechman a géré Pat Patterson. Oui, avec Pierre-Marie Lefebvre. Ouais. Parce que Pat n'était pas toujours là.
Fait que ça prenait quelqu'un avec pour tenir la chaleur les fois que Pat était pas présent. Mais Pat trouvait personnellement que Creechman était un gérant qui prenait beaucoup de place, c'est-à-dire qu'il laissait pas, prenait toute la place du talent. Le talent, il restait plus grand-chose. Il fallait que le talent se batte pour aller chercher son temps à lui. Ce qui est normal venant d'une personne comme Pat Patterson qui n'a pas besoin de ça. C'est exact. Certain qu'il n'y a pas de place pour les deux, là. Ben, c'est ça. Fait que Pat n'était pas un fan d'Eddie Creechman. Par conséquent, sa carrière va s'estomper vers la lutte indépendante un petit peu après les années 80 glorieuses de lutte internationale. Et pour disparaître tranquillement, il va fonder la FCL à Shawinigan avec Régent Desaulniers. C'est Richman qui a fondé ça? Oui, avec Régent Desaulniers. Là, il faisait partie des originaux. Là, Eddie Creechman, à ses torts ou à ses raisons, a été un grand, grand, grand amoureux de la lutte. Là. Et jusqu'à la toute fin, Eddie Creechman tentait par tous les moyens de relancer la lutte québécoise. Il y a des articles de journaux de cette époque-là quand la Régie de la sécurité dans les sports étranglait la petite lutte, pour l'appeler ainsi, avec toutes ses règles, puis toutes ses conditions, puis toutes ses garanties monétaires qu'elle demandait. Eddie Creechman était le premier à dire « On laisse les Américains rentrer chez nous puis nous voler notre gagne-pain. » Parce que Eddie Creechman adorait la lutte. Ça, il n'y a pas aucun doute là-dessus. Là. Et je veux dire, si on parle de personnage, je veux dire, est-ce qu'il y a un personnage de l'histoire de la lutte québécoise qui est plus connu, qu'on se souvient autant et qui a généré autant d'émotions que Eddie Creechman? Je pense qu'on va avoir beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un à ce niveau-là, parce qu'il a connu toutes ses années de gloire ici. Il s'est pas expatrié. C'était le mouthpiece, là, la voix, le porte-voix de tous les lutteurs américains qui débarquaient au Québec. Il y avait toujours les verres fumés, les jewels, le cigare, et comme j'en ai parlé, son fameux bâton électrique. Fait que il a marqué, il avait, je veux dire, à chaque époque, il a marqué les gens. Puis bon, il est parti trop tôt, fin des années 90. Puis bon, on n'a pas pu le découvrir plus tard, puis aller chercher la psychologie, puis son idée, mais chose certaine, c'est un amoureux de la lutte, comme on en est tous. Puis un personnage qui, écoutez, là, ça va faire quoi, peut-être 20... On s'en doit s'en aller bientôt, ça va faire bientôt 30 ans, certains, là, que Eddie Creechman nous a quittés. Selon ce que je vois, il serait décédé le 9 mars 1994. Voilà, donc on approche là, dans deux ans, on va être au 30e anniversaire de son départ, et on parle encore d'Eddie Creechman. Et j'ose penser qu'on va parler d'Eddie Creechman pour toujours, parce qu'il a marqué la lutte québécoise comme aucun autre personnage ne su la marquer. Toi, je regarde la liste des gars qui a géré, là, Don Leo, Jonathan, George Cannon, Gilles Poisson, Tarzan la Bottine, Tyler, The Sheik, Sailor White. C'est des noms qui me disent quoi, mais moi, là, l'image que j'ai, c'est avec Abdullah. Ah, c'est sûr, c'était le mariage. Ouais, c'était le mariage constant là, qui remonte aux années 70 de l'époque de Johnny Rougeau, Abdullah et Creechman. Fait que dans les années 80, on revient avec Abdullah et Creechman. Et on va même penser que quand on va changer Abdullah puis essayer d'en faire un favori de la foule, que le fait de s'attaquer à Creechman va être suffisant pour faire traverser Abdullah de l'autre côté. Oui, mais en même temps, pas assez pour en faire la vedette qu'on aurait espéré qu'il soit là en étant le favori de la foule, s'attaquant au méchant de Eddie Creechman. C'était comme un duo indissociable jusqu'à un certain point. Écoute, si on pense à Eddie Creechman, on pense à Abdullah. Si on pense à Abdullah au Québec, on pense à Eddie Creechman. Je pense que les deux vont vraiment de pair. Quand tu disais plus tôt dans l'entrevue que Bobby the Brain Heenan, the Weasel, avait volé le brain, ou avait pris, emprunté, si tu veux. Ah, disons emprunté. Emprunté le mot brain, le sobriquet de brain. Tous les gérants qui avaient des gimmicks colorés,
Est-ce que ça peut partir de lui ou si lui l'a emprunté de quelqu'un d'autre? Ou... Il a sûrement emprunté de quelqu'un d'autre parce que les gérants, ça remonte quand même là, à l'époque de Buddy Rogers. Il y avait son gérant, puis il y en a eu à diverses époques. Mais en fait, c'est ça. Creechman a été quand même un joueur important là-dessus, là, du moins au Canada, puis dans le territoire de Détroit puis d'Indianapolis, là, quand il a travaillé là-bas, parce qu'effectivement, il était relativement coloré. Mais ça a toujours été un peu le rôle du gérant, c'est d'amener à son lutteur ce qui manque. Parce que souvent, on avait des athlètes, on avait des gros bonhommes, on avait des gars qui étaient crédibles, mais des gars qui n'étaient pas capables de vendre la salade, de vendre les billets. Et ouais, c'est là que le gérant arrivait. Et bon, on peut encore une fois donner tous les torts et les travers à Eddie Creechman, mais ce gars-là avait de la gueule. Il avait un bon micro, comme on dit aujourd'hui. Le monde voulait venir le voir manger une rince. Pour avoir vécu ça en arena, quand les lutteurs favoris de la foule mettaient la main sur Eddie Creechman, puis qu'Eddie Creechman en mangeait une maudite. Il y avait un pop. On était tous contents. Quand Jacques Rougeau, le père, fait la prise du sommeil, puis endort Eddie Creechman au ringside pour que ses gars puissent avoir l'avantage contre Pat Patterson puis Matt Doug Lefebvre. C'est sûr, là, le toit du forum explosait, non? Parce que toute la chaleur, beaucoup de la chaleur était sur Eddie Creechman, parce qu'il était cette paire d'ongles-là qui graffine le tableau dans notre cœur, si on veut. Et Bertrand, tu disais qu'il avait passé, il s'était jamais expatrié ou à peu près pas, et il était propriétaire d'une cour à scrap. Oui, ben dans les dernières années, oui, on entend parler de cours à scrap. Il a fait des annonces pour le marché aux puces. On pouvait le retrouver supposément au marché aux puces. Il vendait des salamis. C'est même mon livre. Incroyable. Il a servi de son personnage pour faire la bande-annonce pour le marché aux puces. Écoutez, c'est vraiment quelqu'un qu'on n'a pas rencontré, nous, parce qu'il était déjà, il nous avait déjà quitté par le temps qu'on a commencé vraiment à travailler sur le livre. C'est ça, il est sur la liste très, très courte de gens que, mon Dieu, tu sais, avec Dino puis le géant Ferris, on aurait pu leur parler, qu'est-ce qu'on aurait appris, qu'est-ce qu'on aurait connu de plus pour la merveilleuse histoire de la lutte au Québec. Bertrand Hébert, toujours un plaisir. Et on sent toujours qu'on parle à l'encyclopédie vivante de Beauharnois PQ. Peut-être pas jusque-là, mais merci pour le compliment. Un gros merci, Bert. C'est officiel. Le livre « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie » sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de ma vie, ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à C'est quoi FM, et évidemment, des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites. Bientôt disponible en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Tu vois, à chaque fois qu'on termine un épisode, j'ai le goût de te dire, comme j'ai le goût de dire à Kelly puis à Handsome, quand j'ai commencé à faire la liste des épisodes, celle-là, je voulais la faire. Mais c'est le même à chaque semaine. C'est fou, là. L'idée, écoute, j'en écris, mais même si je n'ai pas travaillé avec Eddie, ouais, j'ai déjà fait des entrevues avec son fils, Floyd, ouais, et qui malheureusement a fait en sorte qu'ils n'ont jamais été engagés à WWF parce que Floyd était avec Steve Strong et il m'avait brassé, ouais, dans les fausses entrevues, entre guillemets, ce qui avait fait en sorte qu'il n'avait pas été engagé. Mais je ne me souviens pas. Toi, tu dis que tu l'as vu dans un show Saint-Lambert, Saint-Lambert. Ouais. Moi, je ne me souviens pas. Je pense que je n'ai jamais été voir un show de lutte. Donc, pour moi, j'ai... Mais...
il fallait à tout prix, oui, sur Sim, dédier un épisode sur Eddie Creechman. En fait, moi, je vais dire une chose, Marc. Tous ces gens-là, ces légendes-là de l'époque des années 70-80 jusqu'à nos jours maintenant, peu importe, ils ont leur place. Et puis, c'est correct de parler d'eux autres, même que c'est terminé depuis tant d'années. On a besoin de parler de ces gens-là. Ils ont fait la marque, ils ont fait les beaux jours de la lutte au Québec, un peu partout dans le monde. Tu sais, il y en a pas mal. Puis tu vois, un gars comme Creechman, je trouve normal qu'on en reparle. Ouais. Ça fait longtemps qu'il n'est plus là, qu'il n'est plus des nôtres. Pourquoi? On a besoin de ça. Fait que, regarde, j'ai d'autres idées, Marc, de podcast. On va en faire d'autres, là. Merci à Régent Desauniers et à Bertrand Hébert, deux de nos invités cette semaine. Et celui, la semaine prochaine, l'épisode, ça sera sur les parents des lutteurs. Qu'est-ce que les parents des lutteurs ont en rapport là-dedans? C'est quoi, là? Bien, entre autres, Kevin Owens. J'ai parlé à son père, Terry. Okay. Kevin, qui aujourd'hui est une des grandes vedettes à la WWE, mais comment que le parent se sentait avant la gloire, parce que pas tout le monde connaisse la gloire, quand tu sais que ton fils commence à vouloir lutter à 14 ans, qu'il dort dans son auto, qu'il voyage partout dans le monde, très jeune, qui n'a pas l'expérience. Très bonne entrevue avec Terry, qui était très... Aussi, Brigitte Poisson, qui... Je la connais, c'est pas une grande, jolie dame. Okay. Blonde, qui, elle aussi, c'est pas la même ampleur, mais son fils a lutté pour moi. Il s'appelait dans le temps le personnage Mystery, et elle va nous conter un peu comment elle a dealé avec ça. C'est la conjointe de Pierre Gauthier, le propriétaire, le magnat du studio. Le maître! PG International. Donc, la semaine prochaine, comment se sentent certains parents lorsque les jeunes veulent devenir lutteurs, entre autres, notre invité, celui avec qui on va vraiment en profondeur, Terry Steen, qui est le papa de Kevin Steen, ou si vous préférez, Kevin Owens. Michel, un gros merci d'avoir été avec moi pour ces deux épisodes. C'était vraiment le fun. Et si j'ai d'autres idées ou si t'en as, t'es toujours le bienvenu, même si c'est pas chez nous. Et je ne suis qu'un fil, qu'un téléphone. Si tu as besoin. Mais je vais te donner des idées, c'est sûr. Encore une fois, grand merci à toi, Marc. Fait que toi, tu es en train de nous dire que tu as encore un téléphone à fil. Ouais. Incroyable. Sur ce, soyez-y, mesdames, messieurs.